Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 216 et qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer le projet guitare et on va essayer de résoudre notre problème avec notre corps que j'ai collé comme un goré. Allez c'est parti! Je vais tenter de réparer un peu mes bêtises lors du collage et je commence donc par essayer de couper à la scie à ruban le maximum de matière. J'ai lesté le pied de la scie à ruban avec 20 kg, ce qui le rend un peu plus stable, mais on arrive en fait très vite aux limites de cette petite machine. Mais je fais le maximum de découpes possible. Je tente de coller le template sur mon plateau avec du double face, et j'installe une fraise à copier, donc une fraise droite avec un roulement à billes, sur ma défonceuse. Vu que mon corps reconstitué n'est pas plat, le double face ne colle pas, donc je fixe mon template avec des serre-joints et je commence le travail de défonçage. Le roulement de la fraise va suivre le template et enlever la matière au bon endroit, en tout cas c'est la théorie. En pratique, le template bouge et trop fin, et à deux endroits, le roulement passe sous le template et mord dans un endroit du bois où il n'aurait pas dû. J'ai aussi perdu l'adaptateur pour l'aspirateur de ma défonceuse, donc j'en mets littéralement partout. Mais bon, on fait avec et on continue le travail de défonçage. J'avoue, ce travail me rend nerveux, et j'essaye d'y aller le plus doucement possible, pour ne pas ruiner mon plateau. Je m'arrête, je réajuste si besoin la hauteur de la fraise, et du roulement. J'ai fini de défoncer toutes les parties qui correspondent à mon gabarit. Maintenant, je vais créer deux gabarits modifiés pour le cul et le nez du plateau, désormais trop courts. Je les ai fabriqués avec du bois de palette, avec la scie à ruban et ma ponceuse, et j'utilise ici aussi la fraise à copier pour ajuster la forme du plateau pour ma future guitare. Maintenant que le pourtour de la forme de la guitare a été créé, je vais essayer de rattraper un peu mon plateau en utilisant mon rabot électrique. Le principe ici est plutôt simple. Essayez d'aplanir les surfaces les unes par rapport aux autres, et ensuite aplanir ces surfaces pour tenter d'arriver à une surface la moins pas droite possible. Je rabote en essayant d'en enlever le moins possible, jusqu'à arriver à une surface plus ou moins plane,
et je sors ma ponceuse à ruban qui pèse 1 million de kilos pour effacer toutes les traces du rabot. Bon, le résultat n'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux qu'avant et c'est presque plat. Maintenant que j'ai une surface presque plane, je ressors ma défonceuse pour finir le façonnage de mon plateau. En utilisant le défonçage déjà effectué, et en utilisant la fraise à copier pour virer le reste du bois. Le travail sur une surface plane est beaucoup, beaucoup plus aisé, et me permet relativement rapidement d'avoir une forme plus ou moins satisfaisante. Et pouvoir ensuite aller à ma ponceuse stationnaire pour se débarrasser de certains défauts. Et là aussi, je vois les limites de ma ponceuse, surtout le disque qui est bien trop petit pour ce genre de travail. Cette étape me permet tout de même de réajuster certaines courbes, gommer certaines erreurs et faire encore plus de bordel et encore plus de poussière. Maintenant que ma forme est faite, je m'attaque au dos de la guitare en la rabotant avec la même méthode que pour le devant, en essayant d'abord de raboter les crêtes, puis en essayant doucement d'atténuer les différences qui sont plus prononcées que sur le devant. J'essaye de varier mes coups de rabot pour ne pas créer des lignes de rabotage trop prononcées qui seraient difficilement rattrapables après, et de remettre plus ou moins à plat cette surface. Un petit coup de ponçage avec un grain 80 permet d'effacer la majorité des lignes de rabotage et on va pouvoir passer au ponçage de la surface principale du plateau. Je commence par du 80 puis monte sur du 120 pour finir avec un grain de 180 pour ce ponçage intermédiaire. Bon, c'est pas idéal et clairement le plateau a plein de défauts, mais j'ai réussi à rattraper une partie des gros défauts de mon collage pour avoir une forme et un morceau utilisable, je pense, pour le reste de la construction. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh ben, ça donne moins mal. Je dirais pas que c'est bien, mais c'est moins mal. La première chose, donc, c'est j'ai fini de former le corps, principalement avec la défonceuse. Et ensuite, j'y suis allé à grands coups de rabot électrique pour avoir une surface à peu près plane. Elle n'est pas complètement plane, mais pour mon utilisation, ça devra aller. Alors, on ne le verra peut-être pas, mais ici, j'ai des espaces dans mon collage. Est-ce que c'est dramatique ? Pas vraiment. C'est vraiment un corps d'essai. Je me fais la main et je vois un peu toutes les limitations qu'il y a et toutes les choses à droite à gauche. Alors, première chose, je vais mesurer. Ouais, j'ai presque perdu 1 cm en fait. Je suis à un peu plus de 35 mm en épaisseur. Donc j'ai perdu à peu près 1 cm. Ça va poser des problèmes, en particulier puisque la prochaine étape, ça va être de creuser la cavité et visser mon manche et ensuite creuser toutes les autres cavités pour les micros, creuser les trous pour tout le hardware, etc., etc. Est-ce que la guitare finale aura un son démentiel ? Je pense pas, mais là, vraiment, je me fais la main, et surtout, je m'aperçois de la limite de certains de mes outils. Première remarque, quand vous faites votre template, moi, je l'ai fait sur du contreplaqué qui faisait 5 mm, ce qui m'a donné ça. C'est-à-dire, j'ai un truc qui est bien droit, et tout d'un coup, paf ! Une grosse erreur, toute caca. Donc, mon premier conseil, c'est, même pour votre template, prenez un contreplaqué qui est au moins de l'épaisseur de votre roulement, donc 10 ou 15 mm. Tous mes outils se sont comportés ultra bien, j'ai simplement vu la limite de ma scie à ruban. Ma scie à ruban est complètement parfaite pour ce genre de boulot, c'est une toute petite scie à ruban, et vraiment elle a galéré. Qui est une scie à ruban géniale, qui correspond complètement à ce que j'ai besoin dans mon shop tous les jours. On sort un peu des projets classiques que j'ai tendance à faire, et on va vers des projets un peu plus spécifique et un peu plus professionnel. J'ai aussi vu que dans un futur proche, il va falloir que je m'achète
un rabot des gauchisseuses. J'en ai vraiment besoin pour avoir justement cet usinage des pièces qui soit vraiment à 90 degrés pour que je puisse faire des coupes nickel. Je vais d'abord investir dans un système d'aspiration, et puis ensuite on verra. Mais en tout cas, même avec ces outils basiques, entre guillemets, qui ne le sont pas vraiment, j'ai un résultat qui est correct. Qui n'est pas génial, mais qui est correct. En tout cas, j'ai un plateau de guitare qui commence à être pas mal. Il n'est pas génial, mais il est pas mal. Prochaine étape donc, manche, cavité. Il faut aussi que je ponce un peu toutes les marques de brûlure qu'il y a sur les côtés. Par rapport à l'espèce de monstre dégueulasse que j'avais il y a quelques jours, eh ben c'est plutôt pas mal quoi. Le projet guitare est clairement pas fini, il y a encore plein de choses à faire et j'apprends énormément. Et c'est ça qui est intéressant. Donc un template plus épais, plutôt partir soit sur un morceau solide, voire deux morceaux solides qu'on va coller après. Il y a encore pas mal de boulot, mais voilà, c'est tout pour cet épisode du projet guitare où j'ai plus ou moins fini essayer de rattraper la base de mon corps. Comme d'habitude, vous avez des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me contacter sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme Sanku Case, aller cliquer sur le lien Utip qui est dans la description, aller regarder une petite pub, ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de s'acheter du matériel pour te proposer la suite du projet guitare. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.